kaka na grand dossier na biso lelo tokolobela clôture ya assemblée générale annuelle ya régie des eaux oyo et 55 bongo ban syndical et puis na employé oyo ezali bongo direction générale ya régie des eaux ba clôture ki ba assise wana ba clôture ki yango epe tardivement pambate msala eleka ki makasi direction générale exposa ki ligne ya entreprise lengeni entreprise za ko tambo ya ba difficulté ni o entreprise azanongo et puis entreprise atteindre ba signal rouge donc ça veut dire azoko ka susuté le lengeni ya ko fonctionner parce que gouvernement congolais azan na ba nyongone ebele yango moni a exposé likambu na ba syndicat ba syndicaliste et puis ba yoki bango pe batie mai na vino na bango ba trouver compromis yango moni ba signer ki protocole d'accord parce que ba ndimi komatisa salaire ya ba jan mususu ba o batikali ba komatisa bango après yango moni ba signer ki protocole d'accord wana et sama ki bongo na direction générale et salama ki bongo a partir ba 19h et ba trouver ki compromis wana ba signer protocole d'accord entre ban syndical na direction générale ya régie des eaux ou la qui représenté et par DG Mwana Mboka David Chilumba elongo na molandi na ye ingénieur Jean Bosco Mwaka azalaki wana elongo na ba directeur nyonso elongo na ba syndicaliste nyonso ba uteki na ba province bazalaki wana pe esengo ekotaki pe ba sukisaki cérémonie wana na photo de famille oyo bayambanaki oyo ba sepelaki pona bien ya ko fonctionner régie des eaux entreprise na biso pona ekende liboso yango moni régie des eaux eza ko senga na ba abonné na ye baye ba ko futa ba facture na bango ezo senga pe na l'état congolais ay ba pe ko futa ba facture ay ba boko futa ba nyongo oyo azana ngo ba camp militaire e futa ka maite bo pito minene ya l'état ba institution ya l'état e futa ka maite yango moni régie des eaux sengi ete na gouvernement congolais baye ba bongo na kuyeba kufuta banyongo na bango pote régie des eaux ayeba bongo na ko fonctionner yango moni basengi pe na biso ba abonné toyeba kufuta ba facture na biso pote régie des eaux azwa mosolo ya koyeba ko lambela ka biso tango nyonso mai ya peto yango tolanda cérémonie ndenge esalamaki e bongo tokutani na sima. Bon, merci pour la question. En fait, c'est plusieurs questions. On va essayer de répondre à toutes les questions. Je crois que nous avons abouti à un consensus. Le bruit de fond, ça, si on peut le diminuer. Donc, nous avons abouti à un consensus. Le consensus, c'est d'abord sur l'état des lieux de la Régie des Eaux. L'état des lieux de la Régie des Eaux est, en termes beaucoup plus simples, catastrophique. Ça veut dire que la Régie des Eaux passe des moments extrêmement difficiles. Et ces moments difficiles, on peut les voir très facilement dans les états financiers de la Régie des Eaux, que vous pouvez trouver sur le site web de la Régie des Eaux, www.regiedeseauxrdc.com. Donc, si vous avez de l'intelligence financière, allez lire les états financiers de la Régie des Eaux pour que vous puissiez vous rendre compte que le consensus de cette observation, il est réel. Nous sommes dans une situation catastrophique. Nous avons aussi tous observé et accepté qu'il nous faut une transformation très profonde de la compagnie pour que nous puissions changer la courbe ou si vous voulez la trajectoire de nos performances. Donc il y a un consensus entre nous et nos partenaires qu'il faut réellement une transformation très profonde. Nous avons eu à échanger avec nos partenaires sur les différents piliers de cette transformation. Nous avons 12 piliers essentiels dans la transformation qui sont bien étoffés dans le plan stratégique de la réforme de la Régie des Eaux que nous sommes en train, n'est-ce pas, de gérer au jour le jour. Mais les espoirs sont permis. L'avenir est meilleur. Et les espoirs sont permis parce que nous avons la détermination, nous avons la volonté collectivement d'échanger les choses. Et ce changement commence par le changement de l'homme. L'homme avant toute chose, le potentiel humain, dans sa culture de travail,
dans sa culture d'intégrité, d'honnêteté, dans les compétences que la personne a pour faire le travail, dans ses conditions de travail, y compris ses conditions salariales. Donc, il faut se focaliser beaucoup sur l'homme pour que l'homme puisse donner le meilleur de lui-même, pour que l'homme puisse avoir les meilleures compétences pour donner le meilleur de lui-même. Et quand il vient au travail, que sa mentalité, sa conscience, sa pensée soient réellement au travail. C'est comme ça que nous avons discuté avec les partenaires sociaux et nous sommes aboutis à un consensus pour, n'est-ce pas, améliorer d'un temps soit peu les conditions de nos employés. Et comme nous l'avons lu dans le procès verbal, nous allons amener ça au conseil d'administration pour validation. Et à la suite de cette validation, ce consensus sera d'application. Voilà, en bref, l'essentiel des discussions que nous avons eues dans les deux jours passés. Mais avant que je termine de répondre à cette question, je voudrais aussi parler surtout de nos entités provinciales. Nos provinces regorgent un nombre très élevé, je voulais dire, de nos concitoyens qui ont également besoin d'accéder à l'eau potable. Et les besoins sont réels. Les besoins d'investissement sont très, très profonds. Les besoins d'investissement sont très colossaux. Il faudra que nous puissions investir. Investir signifie trouver de l'argent. Nous ne voulons pas toujours avoir la main tendue. Nous le disons ici, le gouvernement a une dette très élevée de la Régie des eaux. Si le gouvernement nous paye la dette, en fait nos créances, je voulais dire, nous n'avons pas besoin d'aller emprunter de l'argent ailleurs. Si le gouvernement paye la dette de la Régie des eaux, nous allons investir dans cette compagnie, faire d'elle la meilleure et donner de l'eau à tout le monde. Mais nous avons aussi pensé à comment innover pour trouver ces moyens. Les réflexions sont très profondes. Je crois qu'il y aura des changements qui auront un impact réel. Les besoins d'investissement qui sont très colossaux sur l'ensemble de la République ont besoin des efforts de tous, de nous à la Régie des eaux, de nos partenaires ici pour conscientiser nos travailleurs, de la contribution du gouvernement qui est l'actionnaire unique de la Régie des eaux, mais aussi de notre pensée innovante pour trouver ces investissements et les amener dans l'infrastructure qui va améliorer la desserte sur l'ensemble de la République. Donc à nos délégués syndicaux qui viennent des provinces, nous leur disons merci. Ils ont fait un très long voyage. Pour certains, ça a pris des jours parce que les avions ont été annulés, réannulés. Et même au retour, ce n'est pas toujours évident que les avions partiront les jours prévus. Nous apprécions ces sacrifices et nous leur disons sincèrement merci. Voilà en bref l'essentiel de nos discussions pour les deux jours qui viennent de s'écouler. Merci. Merci, Ming Ndeko. D'abord, avant d'aller au Babna Kota, la Kosa, la commentaire. Il y a une mention spéciale à David Chulumba, à Jacques Bosco, à Mwaka, à Kalisite, à Sali Mikolomboul, à Basanza Bitan. Mais il y a un peu de temps pour que nous soyons en tout cas, il y a une flexibilité dans le discours. Il y a une compréhension de ce que nous avons fait pour que nous soyons en train de travailler. Tout ce que nous avons travaillé, tout ce que nous avons travaillé, c'est que nous avons tout ça, il y a un colombo, tout ceci. Donc, quand je suis sûr que je suis en compréhension, il y a mon aîné, il y a mon aîné, malgré la difficulté d'accompagner le lobby, quand même, tu réussis à cause de moi, et là, quand tu es en train de te passer, tu peux 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 te passer, ah, tu as vu les coquilles, 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 si tu as vu les coquilles, tu as vu les coquilles, tu as vu les coquilles, tu as vu les c'est ce qu'on va améliorer les indicateurs. Je suis là, 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 je suis tout ça, Moussa, madame, pour te balancer, ma tokozonga, n'a pas cause. Tout cela, tout bagasso, et ce pote, bisou, bas, tout ça, tombe, n'a compagnie, à jouer, mbano, bisou, bas, salé, tout zimbano, pote, zala, malam.
totika koyoka biyoka yoka totika ko nata ko songo songo intoxication neza ko bebisa o ya biso compagnie to na makambo bebe to komi na kamu na ko profiter ba to na ma campagne muso ko biso ko peso di ko na mabele na lola non ba indicateur ba konza za ba lobby yango polole bazali ba ndeko ba na souci ba sale to moni bango ki ba na souci ba sale donc ba ko sa biso na loko te so pe zalite ba ko biso to landa yango mais to sala musa to ti ko za ba intoxication ya bato oyo banguna. On va dire que ça soit quand c'est que bon ça la musala pas que ça la boue zali mala muté tozonga na musala to kozonga o to ngé bongama to komona bango ba ko bongisa o esengé to bongisa yango atuka na ko senga bino bolimbi simingi bozonga na musala ba ndeko na ngai ba travailleur na yi makasi na bino ba li conscient ba biko sa musala mesika ba bino baso botikala bo banire ba chuvalé o ba ko ba sengi pote to tombola kita ya biso te compagnie ke di boso biso baso to kozwa intérêt be moko zali li futa na biso na maka mutu na ngoi ba avantage na soso so e ko pesa bana bo pete nyoso na kati ya musala atonde boto. Oui, wana to ti kolanda cérémonie ya clôture ya assemblée générale annuelle oyo régie des eaux à celle qui entre banque syndicale na direction générale tomoni ndenge nini ambiance eleka ki ndenge nini makambo nyonso eleka ki malamu topesi longo nya na mwana mboka David Chulumba elongo na molandi na ye Jean Bosco mwaka ete bakende kaka bongo entreprise ekende liboso.